Bonjour à tous, bienvenue sur le fil d'Arial, la web télé du Congrès ARIA. Aujourd'hui, on va traiter d'un sujet qui vient d'apparaître depuis quelques années, mais qui est beaucoup plus récent, si vous voulez, que l'acquisition de la caméra ou de la du Conbeam, c'est la dynamique. Alors aujourd'hui, si vous voulez, le concept global, le fantasme absolu du praticien, c'est de pouvoir avoir toutes les informations concernant son patient, de synthétiser ces informations, et puis de prendre une décision sur la stratégie thérapeutique et d'aboutir à un objectif thérapeutique tel que défini au départ, avec le moins d'écart possible. C'est un petit peu comme le tireur à l'arc qui essaye de mettre sa flèche au centre de la cible. Eh bien, le numérique a cette même vocation. Avoir un maximum d'informations sur le patient pour pouvoir prendre en compte toutes les données et puis établir un plan de traitement et ensuite faire en sorte que ce plan de traitement soit rigoureusement identique étape par étape pour arriver à l'objectif final. Alors aujourd'hui, on a tous dans nos cabinets les fichiers STL qui sont amenés par les caméras, on a les fichiers d'ICOM, donc la radiologie qui est amenée par le Conbeam, et il manque une des données qui est la dynamique, et c'est tout l'objet de ces nouveaux outils que l'on voit depuis 6, 7, 8 ans dans les différents congrès, qui vont permettre d'ajouter à l'imagerie statique que sont la radiologie et la caméra intraorale, l'imagerie dynamique, c'est-à-dire la dynamique mandibulaire, qui est un nouvel arrivant, si vous voulez, dans la panoplie des informations que l'on va devoir synthétiser lors de la réalisation de notre plan de traitement. Alors, pour cela, je vous propose d'abord de se rapprocher de Mojo sur le concept même du Mojo, et puis ensuite d'aller rencontrer un utilisateur de ce système pour savoir comment il l'a intégré dans sa pratique. Allez, suivez-nous.